Salut les gars, c'est Rashox, bienvenue sur l'épisode 9 de Tomb Raider. Donc ça fait sacré bout de temps qu'en fait que j'ai pas filmé et j'ai pas fait le dernier épisode. Honnêtement, j'ai pas d'excuses. Donc je sais pas, mais j'ai pas fait le dernier épisode. J'ai pas trop envie que ça s'arrête parce que en fait, j'ai envie, je veux connaître la fin de l'histoire, mais j'ai pas trop envie que ça s'arrête. Parce qu'en fait, on est, je crois, plus proche de la fin du jeu qu'on croit en fait. Je crois qu'il nous reste plus que 2 heures, peut-être max 3 heures de jeu. Et après ça, on va commencer les trucs. On va commencer avec Rise of the Tomb Raider. Et puis après ça, on fera Shadow. Et donc, du coup, on aura fait toute la trilogie. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Si c'est le cas, on sait ce qu'il faut faire. Et on va commencer sans plus tarder. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut sortir par là. Voilà. Tout doucement. Hop là. Ça c'est des gros calibres ça, hein, donc. Ah ouais, c'est un truc qui joue que c'est ça. Donc là-bas c'est ce qu'on doit aller. Juste reprendre les ressources. Je vais même pas regarder en fait si je pouvais encore améliorer des choses. Je les entends à droite, mais je le vois pas. Oh. Oh. Ça se casse, ça se casse, ça se casse. Ah c'est vrai, on avait notre nouvel arc aussi. Oula, ça c'est une mauvaise endroit par contre. Wow, tu viens d'où toi? What the fuck was that? Oh, il y en a l'eau. Wow. Oh, je tire tout à côté. Oh, il y a un trou. Ah, oh, ils m'ont eu. God damn. Non. Mais Lara, lâche-le! Soleil.
se moquer. Ah oh, mais il y en a un qui m'a tiré dessus. Oh, j'ai donné un coup sur mon micro sans faire exprès. Oh. Mais ça vient de où, sérieux? Maladroit, vous avez forcé un ennemi à lâcher de la dynamite à tuer deux personnes. Stupide. C'était pas très malin de sa part. Ok, c'est safe maintenant. Ok, wow, après au moins un mois de ne pas avoir joué, directement dans l'action. J'attends encore, on va dire, les lobos. Ok, au niveau truc qu'on est restocké. Rapport d'expédition. Notre base côtière a été attaquée par des assaillants inconnus. Nous soupçonnons les Américains d'avoir débarqué sur l'île pour saboter nos opérations. Les communications ont été interrompues dans toute l'île et nous avons subi de lourdes pertes. Beaucoup de nos soldats ont tout simplement disparu. Tout le personnel restant est maintenant affecté au monastère afin de contrôler les phénomènes météorologiques. Nous nous attendons à rencontrer une forte résistance. Nous demandons des renforts d'urgence. Ok. Petite pause les gars, début de la vidéo, pourquoi vous l'avez peut-être déjà entendu, mais il y a comme un effet bizarre derrière dans ma voix, une sorte de... J'ai trouvé de quoi il y a le problème, j'ai essayé de quand même de l'éditer un petit peu pour qu'on l'entende moins ou qu'on... En espérant on l'entend pas du tout. Qu'est-ce qui était le problème en fait, c'est que mon micro en fait peut aller jusqu'à 96 000 gigahertz ou hertz, je m'en peux plus, je me trompe toujours, est-ce que c'est hertz ou gigahertz, je m'en peux plus. Et le truc en fait sur OBS c'est je crois maximum 48 000, enfin en tout cas je peux pas mettre plus que 48 000. Donc en fait ça a clashé, donc vu que j'ai mis mon micro au maximum, au 96 000, bah du coup c'est un clashé en fait avec le 48 000 et c'est pour ça qu'on entend toujours un tutututut. Normalement à la prochaine vidéo ça devrait être fixe, mais j'ai essayé vraiment mon possible de pouvoir fixer cet audio en fait, et bah, j'ai pas envie de recommencer tout l'épisode 9 parce que bah en fait je sais déjà ce qui se passe, donc vous aurez pas fait les réactions non plus. Je crois pas que j'ai trop parlé dans cet épisode non plus. Donc je vais essayer juste mettre l'audio nécessaire. Si jamais vous entendez pas beaucoup que vous me parlez, c'est peut-être parce que soit je l'ai coté parce qu'il y a trop de tutes, ou soit je sais pas, juste j'avais pas envie de parler. Donc j'espère que ça va plus venir. Et bon visionnage hein, pour le reste de la vidéo. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc il y a encore en haut qu'on peut se... Quoi ça, ça s'enlève? C'est une porte qui s'ouvre. Mais qui s'en trouve apparemment. Bon, comment je suis supposé monter l'en haut? Donc il n'y a pas vraiment quelque chose d'intéressant. Hein. Mais si, il y a une porte, on dirait qu'apparemment pour ouvrir. Non ? Ah, c'est peut-être une qu'on doit forcer avec le accord, non ? Non. Ça fait que dalle. Pourquoi qu'il y a highlighted, je sais pas du tout pourquoi. Là-bas il y a quelque chose mais j'arrive pas à y rentrer.
C'est pas monté par là-haut. Oula. Je sais pas si on voit là-bas, est-ce que ça continue la mission sûrement, ouais. Bande de petites chiennes, ouais. Oh man, big bitch. Oh, attends, je vous canale. Yo, what the woo? Pourquoi il y avait un ennemi derrière moi? Et c'est là le fusil à pompe, c'est gauche. Pas bon. Bon. Ou cette turbe derrière. Comment ça se fait que j'ai plus de munitions dans mon accord? Pièce de fusil en pompe. Bah, oh ouais. Non mais... Je mets mon joystick vers l'arrière, bah vers la gauche. Petit bombe de... Voilà. Tire où il est d'où l'autre? Il est par ici. Ça va littéralement avec les miniguns. Wow. Et bah dis donc. Ça s'est vraiment passé là. J'ai vraiment fait ça moi. Ouais, gars, je peux toujours prendre mes fusils, les munitions qui sont en bas.
Le fusil à pompe, mission. Oh, il y a leurs trucs qui sont dispo. Ah, non. Mais du coup, est-ce que je vais pouvoir aller en bas par contre pour aller chercher la relique? C'est peut-être le truc qui va nous aider à faire le tambour. Voilà, on a tout pris ce qu'on pouvait avoir ici. Et on descend. Ah, mais c'est ça, justement, je crois que la partie menée en fait. C'est dehors. Du coup. Yes. Petite relique. C'est daté de Magicis. Autrement dit, 1873. Pièce de deux scènes japonaises. L'une des faces est érodée. Comme si on l'avait frotté trop souvent. Peut-être le porte-bonheur d'un soldat. Maybe, Laurent, maybe. Maybe yet, maybe yes, maybe no. Peut-être quand ça c'est noise. Choses étranges ici. Le phénomène naturel qui détraque la météo, la base de recherche militaire, la reine solaire et cette secte d'illuminés. Si je l'avais pas vu de mes yeux, j'aurais cru à une mauvaise blague. À moins qu'il y ait des caméras planquées dans les arbres. En tout cas, je dois bien admettre que ça fout les jetons. Je continue à faire des blagues pour ne rien laisser paraître. Reyes va bientôt m'en coller une. Il faut que je me rende utile avant de devenir fou. J'aimerais être comme Lara. Elle est incroyable. Non seulement cette fille est brillante, mais en plus, elle assure dans l'action. Vu qu'elle m'a pas remarqué jusqu'à maintenant, c'est pas maintenant qu'elle va commencer. À moins que j'arrive à attirer son attention. Oula, monsieur Alex aurait des sentiments cachés pour me, madame Lara. Oula là. Peu de camp. Pas full camp, mais fait des camps. Est-ce que j'ai été. Est-ce que tout a été amélioré? Tout a effectivement été amélioré. J'ai pas de points de compétence, j'en ai bientôt un par contre. Donc je vois que. Et on a vraiment parce que tout est terminé. Hein, donc là. Ici, il m'en faut juste encore deux. Là, trois et. Une fois que je débloque la poussière et cailloux, en fait je me demande si c'est bien ou pas. C'est un des premiers skills qu'on apprend et je sais pas, je l'ai jamais utilisé. Donc, je crois que c'est le prochain skill que je vais apprendre. Épave. Thank you.
appuyé trop tôt. Ah oh, mais ça y est, mais Lara, il skip, bordel. No way! Je l'avais! Le petit tirer à côté! Voilà! Ouais, bon, ça sert à rien. Ascendeur à corde. Yes. Tirer les objets lourds à l'aide de l'ascendeur. Ok, donc maintenant on va pouvoir aller dans cette fichue tombe qu'on avait trouvé au tout début de l'épisode, je sais plus combien. L'épisode 7 8 Je sais pas, je suis plus avec, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Alors ça, je suppose que ça va nous faire mal. Non. Y'a rien, y'a plus rien. Non, y'a plus d'aide là. Et du coup, je suis obligé de faire ça. Ah ouais. Ah, et là, il est censé tomber. Ah oui. Heureusement que je me suis pas mis dessus. Bon, comme d'hab, on va tout recharger d'abord. Wouah, si stylé. J'aime bien cette ambiance. Oh oh. Ah, ils sont copines d'enfance. Il y avait quelque chose à prendre ici. Voilà. D'une certaine manière, je dois remercier Lara pour ce boulot. Elle a toujours cru en moi. La plupart de ses amis snobs de l'université méprisent la réalisation. Ils n'ont vu en moi qu'une écervelée qui empêchait leur petite protégée de se concentrer sur ses études. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fond d'elle-même, Lara a vraiment soif d'aventure. C'était son idée de partir en Bulgarie avec juste nos sacs à dos. Même si elle ne s'attendait pas à ce que je la traîne dans cette boîte de nuit à Sofia. Et je crois qu'aucune de nous deux ne serait partie seule en Tanzanie au printemps dernier. Mais nous y sommes allés. Deux étudiantes explorant des ruines sur la face sud du Kilimandjaro. Lara avec son carnet, moi avec ma caméra. Elle est comme ça, la vraie Lara. Aventurière, intrépide, intelligente. Et peut-être un peu moins coincée grâce à moi. J'espère que nous vivrons beaucoup d'autres aventures ensemble. Bah là, t'es embarqué dans une grosse aventure avec Lara. En même temps, c'est une prof. Ah, je les ai tous trouvés. Ah ouais, nice. Ah, il m'a vu apparemment.
Voilà. Juste une fois. Ouais, du coup ici il n'y a pas de tombeau à part là. Je crois ici quelque part il y avait un tombeau, non? Une carte au trésor, mais par contre il n'y a pas de tombeau. Ouf. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je suis coincé là-dedans. J'ai connu mieux. La porte est bloquée. Je crois que je peux la dégager avec ce crochet. Tiens le coup. Je vais te sortir de là. Et merde. Voilà. Non. Ok, donc ça le bloque. Et parce que tu veux grimper là. Ouais, non, il part directement là-bas. Alors, ah bah là-bas tout simplement. Pardon. Et voilà. Ouf. Putain, n'empêche, on a de la chance, mon gars. Voilà, je dégage. Bien sûr. Oh Alex, tu as les outils. Ah, enfin, je t'impressionne. On va te sortir de là. Ah, oh, désolé, désolé. Bon, on dirait que ma carrière de danseur est foutue. Allez, allez.
Pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous tuer! Je vais pas m'en sortir, Lara. Prends les outils. Je ne pars pas sans toi. Hey, c'est pas tous les jours qu'on peut mourir en héros. Les autres ont tué. Vas-y. Yo, hello. Et là on jump. X grimper. Oh. Titanic. Bon bah après Rip Ross, c'est Rip Alex. Mais si, y a tout le monde qui a crevé, t'inquiète pas, alors tout le monde a crevé à part toi. Ça c'est stylé par contre, c'est vraiment stylé. Donc je vois que ici en fait il y a une carte trésor. Et c'est bizarre parce que normalement les cartes au trésor sont uniquement avec les tombes. Il n'y a pas de tombe. Pas si... Non, laisse tomber, il y a une tombe en fait, ouais, c'est celle qu'on a... L'entend... Hein, t'as les deux cartes au trésor. Et lui on dirait... Ah mais je crois que j'avais fait déjà une tombe. Ah, une géode. Coucou. Une géocache, ouais, plutôt. Donc point de compétence. Et faisons lui une fois. Appuyez sur B pour ramper. Puis sur Y pour lancer de la poussière dans les yeux des ennemis, ils aveuglent temporairement. Donc ça pourrait peut-être encore être intéressant. Si peut-être qu'ils sont en trop, tu peux les aveugler pendant que tu tires sur un autre ou quoi. Ça ici, je me demande. What? Bah, il est tombé à travers. Comment je dois casser ça, moi? Ouais, j'ai les shotgun shares en feu. Ouais, bon, bah, je sais pas. Oh, hello? Voilà, c'est comme ça qu'on descend.
ordres d'expédition. Après plusieurs mois de recherche, nous avons pu réunir des informations sur les phénomènes météorologiques de l'île. Le tombeau d'un important général datant de la période Kamakura a été découvert sur le site de fouilles près de la côte. Cette découverte est la pièce manquante du puzzle. Elle va nous permettre de prendre le contrôle des tempêtes. Mais les fouilles ont alerté les Oni. Ils sont en colère. Nous devons accéder au monastère, à la chambre des rituels. C'est là que tout va se jouer. Ok. Des ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Alors, il faut commencer à chercher. Donc là, on peut sortir, donc ça, il faut le faire avec le pelé. Mais je vois qu'il y a ça ici. Et on peut pas les casser, mais sûrement qu'on pourra ouvrir la porte. D'en bas, avec le truc qu'on a eu. J'allais tenter quelque chose. Ah bah oui. Wait, what? Mais oui, mais je suis pas obligé, mais... Par contre, ça c'est con, les gars... Oui, encore une autre relique. C'est une Tempo Tsuro. Difficile de lire la date, mais le Japon en a produit des milliers au milieu du 19e siècle. Allez. La dernière relique, elle est dans. Voilà, on a trouvé la relique. Les Portugais frappaient ces pièces au 16e siècle pour leur colonie de Malacca, en état actuel de la Malaisie. Elle doit provenir d'une des épaves de galion échouées sur l'île. De galion ? Ok. Donc voilà, on va faire le tombeau maintenant. Et ça va faire peut-être une heure, donc je vais pas trop récupérer pour longtemps encore. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit dans une des vidéos, mais disons que y avait un pote à moi qui était bloqué sur Rise. Et en fait, j'ai déjà terminé Rise sans, sans vraiment avoir. Oh. Sans vraiment l'avoir joué en fait. Donc, il était bloqué. Il m'a demandé si. Bah, je lui ai demandé en fait si je pouvais jouer en fait. Mais ouais, il dit tu peux tenter.
Et en fait, ils savaient pas quoi c'était le boss fight final. Fallait juste tuer. Mais là encore plus fort. Waouh. Fusil de commando, yes. Échange d'armes, fusil contre fusil de commando. Yes, hell yeah. Non, venez à voir papa. Ouh, coup de chair par contre. Lorsqu'elle explose, les grenades projettent des éclats pouvant mettre à terre des ennemis situés à distance. Nice. Le canon rayé personnalisé permet d'augmenter la vitesse de balle et les dégâts produits. Donc ça c'est encore intéressant. Augmente la vitesse du zoom pour améliorer la précision. Ouais, c'est encore rigueur, je m'en fous un peu. Permet d'effectuer des tirs silencieux mais réduit. Non, donc lui, c'est un go-to. Et lui aussi. Voilà. Donc je crois qu'après avoir fait les deux améliorations là, on aura fait le fusil ici à 100%. Not too shabby. On va aller voir les autres, puis après on va faire le tambour. Lara. En entendant l'explosion, on a cru. Alex, il était encore à bord. On dirait que ceux qui t'approchent te trouveraient ont toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix, mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île, autant mourir le ventre plein. Pour retrouver le moral, y a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif. Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation. Rien de tort. Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes pris au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Oh, ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'Endurance a été prise dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. Cet endroit est maudit. Où est-ce que tu vas ? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêt. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi. Ok. Bon bah... Allons-y.
Faut que je fais vraiment attention à tout hein, pour pas que j'oublie quelque chose ou quoi. Surtout Reyes, qu'il ne sera pas facile de persuader. Elle veut rentrer auprès de sa fille, et la mort de Ross l'a bouleversée. Comme nous tous. Je ne sais toujours pas pourquoi Mathias voulait enlever Sam, mais pour le moment, peu importe. Elle est avec nous maintenant. Elle est à l'abri. Ok. Alors, on va faire ce puzzle. Ça, ça monte. Ok. Donc on est censé mettre la bouée là-bas. Je suis allé voir ce qui se passe là-haut. Est-ce que c'est possible de faire le jump ici? Nope. C'est déjà. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ça ressemble à une pêcherie. Est-ce que c'est en haut qu'on doit être? Il va pas le mettre, elle va pas la mettre plutôt. Donc ça, tu changes de direction, ok. Mais il repart. Et elle reste en cercle en fait, ok, d'accord. Il faudra qu'on enlève lui, qu'on le monte, pour que lui après il peut partir. Puis après, il faudra venir vite fait ici et essayer de faire ça. Right. Pour moi, qu'elle veut utiliser ça pour monter en haut. Je sais pas, il y a quoi sur cette bouée, il y a quelque chose d'intéressant. Non. Wow, on va la faire partir alors. Ça, on va la faire tomber en haut, dans l'eau. Tu te fais foutre de ma gueule, sérieux. Fais chier. Attends, ça servit à quoi? J'ai pas compris. Je manque un épisode ici. Je manque quelque chose. Ah, il faut le sauter. Ah, c'est pour ça qu'on doit aller là-bas. Ah, d'accord. Ouais, j'ai compris.
Vas-y, lâche, cours là-bas. Oh, vas-y, de merde. J'ai fait les tournées. Bayon. Hop. Lui, on va le faire tourner. Hop. Lara, t'es sérieuse? Tu es sérieuse? Oh, you gotta be kidding me right now. Oh, c'était juste mon gars. Vas-y, prends le mur. Ouais. Eh, j'allais dire, c'était à la con une fois glissé sur le mur. J'avais pété un câble. Hop là. Yes, pistolet amélioré. Si. Wow. Y avait un feu de camp ici. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Hein. Pistolet Magnum. Pistolet tactique contre pistolet Magnum. Oh yeah. Let's do it. Améliore la performance mécanique pour augmenter les dégâts et chargeur plus long contenant 12 balles. Et je pourrais encore améliorer. Je crois que je vais aller pour plus de dégâts par contre. Allons-y. Une clé aussi en gold, donc encore, ouais, encore un seul truc. Et aussi améliorer au max. Après, il faut juste encore le fusil en pompe. Et l'arc, je suppose aussi. Voilà, encore une point de compétence. Un point de compétence plutôt. Ça, c'est quoi ici? Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les cages de nourriture. Ok, ça peut être encore intéressant. Améliorer les compétences d'escalade. Ok, sur la guerre, on n'a pas trop d'escalade à faire, donc on s'en fout. Exécuter vos ennemis à bout portant pour plus de récompenses. Débloque aussi le réticule de tir à la tête. Ok. Achever les ennemis à bout portant avec le fusil pour gagner des récompenses supplémentaires. Et tirer à bout portant sur les ennemis avec le fusil à pompe. Donc ça c'est quand on exécute, ok. Donc on peut pas toujours exécuter. Ça c'est les cages de nourriture, ouais, les animaux. Je peux en avoir vraiment besoin des ressources supplémentaires là en fait, hein, avec des améliorations qu'on peut faire. C'est un cadavre d'animaux, j'en fais pas vraiment beaucoup, mais les cages de nourriture. Bon, ouais, vas-y, on va le faire. Ah, bonus XP, c'est tout. Non, quand même. Bon, en tout cas, c'est sur ce tombeau qu'on va se laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez plu, vous connaissez la musique, le like. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars.